Dans cette question, on nous demande de donner une primitive de chacune des fonctions ici. Donc, d'abord, c'est f de x égale à n de 1 sur x. La question qu'on doit se poser, quelle est la fonction dont la dérivée est égale à 1 sur x? On ne nous demande pas, attention, de dériver cette fonction. On nous demande de chercher une fonction grand f de x telle que si on dérive grand f de x, on obtient petit f de x. On sait donc, d'après le chapitre précédent, que la fonction dont la dérivée est 1 sur x, c'est la fonction ln de x. Donc une primitive de petit f, c'est égal à ln de x. Pourquoi? Parce que la dérivée de ln de x donne 1 sur x, donc petit f de x. On passe à la fonction g de x. Donc, on nous demande encore de trouver une primitive grand G de x telle que sa dérivée. Donc si on dérive grand G prime de x, on obtient E de x, donc la fonction G de x. Donc, question, quelle est la fonction dont la dérivée est exponentielle de x? Donc on sait que c'est exponentielle de x, donc grand G de x est exponentielle de x. Donc ça, c'est une primitive de g. On dit bien c'est une primitive car une fonction peut avoir ou bien a une infinité de primitives. Dans cette question, on nous donne deux fonctions, grand f de x et grand g de x, et on nous demande de montrer que grand f et grand g sont des primitives de petit f. Donc si on nous demande de montrer que grand f est une primitive de petit f, il suffit simplement de prouver que grand f prime de x, c'est égal à petit f de x. Dans ce cas, on va dériver simplement la primitive pour retrouver notre fonction. Et on prend grand f de x, c'est égal à 2x moins 1 sur x plus 1. On va donc calculer la dérivée de cette fonction. Donc c'est sous la forme d'un quotient. Donc avec u égale à 2x moins 1, ce qui implique u prime égale à 2. Ensuite, v c'est x plus 1, ce qui implique v prime c'est 1. Donc grand f prime de x, ça va faire u prime d. Donc ça fait 2 facteurs de x plus 1 moins v prime u moins 1 facteur de 2x moins 1 sur v carré, donc x plus 1 au carré. Donc grand f prime de x égale, donc simplifie, 2x plus 2 moins 2x plus 1 sur x plus 1, et ça, ça nous donne donc 3 sur 1 plus x au carré, ce qui donne bien donc petit f de x. On a bien montré que la dérivée de grand f donne petit f, donc grand f est une primitive de petit f. Ensuite, on nous demande de montrer que grand G est une primitive de f. Nous voyons que la seule différence entre grand G et petit f, c'est 5. Donc, la dérivée de grand G, ça va être la dérivée de cette partie plus la dérivée de 5. Or, la dérivée de 5, c'est égal à 0. Donc, finalement, la dérivée de grand G, ça va être pareil que la dérivée de grand f. Donc, nous allons le mettre par écrit. Donc, on sait que grand G de x est égal à 2x moins 1 sur x plus 1 plus 5. Donc, on veut montrer que grand G prime de x égale à petit f de x. Donc, la dérivée de grand G, ça va être la dérivée de cette partie plus la dérivée de 5. Or, cette partie, nous avons déjà dérivé, c'est la fonction grand f de x. Donc, G prime de x, c'est la dérivée de toute cette partie. Donc, la dérivée de grand f de x, donc grand f de x qui est égal à ça, plus la dérivée de 5 qui est égal à 0.
Donc finalement, g' de x est égal à grand f prime de x, et c'est donc égal à 3 sur x plus 1 au carré, ce qui est égal à petit f de x. Donc g est aussi une primitive de f. Quelle est l'idée à retenir ici? L'idée à retenir, c'est que si vous connaissez une primitive, si vous ajoutez une constante, qu'elle soit positive ou pas, à la primitive, vous obtenez une autre primitive, tout simplement parce que la dérivée de la constante va donner 0.